Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Track Day. Au programme du jour, une voiture prototype qui n'aura pas marqué l'histoire de la catégorie, l'LMP2, la Oreca FLM09, apparue donc en 2009, comme son nom l'indique. Cette voiture a été créée et conçue par l'équipe française Duc de Chenac Oreca, aujourd'hui à la tête de l'équipe Toyota. Une voiture d'un poids de 900 kg, développant 450 chevaux et allant à plus de 300 km/h pour sa vitesse de pointe. C'est également une boîte 6 vitesses, séquentielle évidemment. Ce que je peux vous dire de plus, c'est que c'est une voiture qui aura évolué dans pas mal de catégories en Europe et surtout aux États-Unis, où elle est encore aujourd'hui utilisée dans le nouveau championnat créé il y a quelques années, l'American Le Mans Series, hein, l'IMSA, depuis 2009. Mais bon, elle est passée au Mans, dans Le Mans Series en 2010, elle est passée en LMP2, en Le Mans Prototype aussi aux États-Unis. Donc, elle a d'abord été chaussée en pneus Michelin toutes ces années, et depuis l'année dernière, elle est en pneus Continental, mais ce n'est pas une voiture qui aura marqué, évidemment, l'histoire du sport automobile. Je vous laisse profiter du son de cette magnifique voiture, néanmoins peut-être pas avec un grand palmarès, mais avec un réel plaisir de conduite. Le mode est très bien réalisé, très propre, très soigné. Au niveau de la réalisation 3D, la voiture est quasiment parfaite, au niveau des ombres également, donc je vous laisse en profiter sur la piste de Spa-Francorchamps. Montez le son.